Ouvrir les portes de la conscience. À chaque fois que vous allez ouvrir une porte de votre conscience, ça va vous amener sur une autre dimension de la vie. Ça va créer une ouverture vers une nouvelle réalité. Ça veut dire que voilà, vous allez adopter un autre point de vue, un autre regard sur vous-même, sur qui vous croyez être, sur vos potentialités, sur votre histoire, de tout ce qui s'est joué. Et donc, c'est très intéressant d'aller explorer toujours en profondeur, d'ouvrir de nouvelles portes, afin d'avoir un regard différent, plus évolutif sur votre vie, sur qui vous êtes, sur votre histoire, sur ce que vous désirez, sur ce qui anime votre cœur. Ainsi, vous vous ouvrez à toutes les potentialités et vous ouvrez en grand ce champ des possibles. Ça veut dire des possibilités en termes de guérison, en termes de création et en termes de manifestation. Alors, n'hésitez pas à remettre du mouvement dans votre esprit, remettre du mouvement dans vos croyances et à jouer avec vos perceptions, à vous dire, tiens, et si ça, ce que je pensais ou cette certitude-là que j'ai, est-ce qu'elle est toujours valable? Est-ce qu'elle me convient toujours? Tiens, et si c'était comme ça? Remettez-vous dans la peau d'un enfant en quête d'exploration, en quête du jeu, dans la spontanéité, la légèreté, la simplicité. Reprenez le costume de votre enfant intérieur, renouez avec et plongez dans l'univers fantastique de l'enfant qui vit pleinement son imaginaire. Et ainsi, vous ouvrez de merveilleuses portes qui vous ouvrent de merveilleuses opportunités.